السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يا عباد الله، سبحان الله، جزا الله خيرا اخينا ابي عبد الله عن هذا الترحيب الجيد. On remercie Allah عز وجل en premier lieu de nous avoir permis de nous réunir en ce lieu que l'on espère mubarak. Et on demande à Allah Azzawajal de rétribuer en bien notre frère Jibril pour cette introduction qui nous a permis de pouvoir savoir ce qui va suivre, biznillah. Wa kama zakara min aham ma najid fi hadhihi ad-dunya bal wal aham halawat al-iman. La chose que l'on trouve qui a le plus de goût, plus de saveur, c'est celle de la foi. Et cette foi, طبعاً لها فروع وهي مبنية على اعتقاد وأقوال وأعمال. Cette foi elle est basée sur, elle a des branches et elle se base sur une croyance, comme vous le savez, des paroles et des actes. ومن هذه الأعمال التي يكمل بها هذا الإيمان المحبة Fillah wa lillah. Et parmi ces choses qui permettent justement de compléter cette foi, la rendre parfaite, c'est l'amour à Allah Azza wa Jal. Naam. Kamakal sabak zikruh. Donc cette foi, on peut la concrétiser et la perfectionner par différents actes. Et parmi eux, un des plus importants et un par lequel, si les gens le méditaient et l'appliquaient, Wallah, on verrait le monde se porter beaucoup mieux, de façon générale. وَهَذَا مَضْمُومٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Et cela, on le trouve dans ce hadith que vous connaissez tous, apporté par Anas, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que aucun d'entre vous ne croira concrètement, on va dire véritablement, une foi parfaite, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Naam. Comme on l'a dit, ce hadith-là, comme a zakara l'ulama, c'est un hadith, son application impliquerait une réforme totale du monde. Cela permettrait de faire disparaître énormément d'injustices et d'appliquer l'équité. Wa qabla dhalika yantafi' bihi al-muslim. Al-muslim, par ce genre de comportement, comme on l'a dit, sa foi se perfectionne, donc il devient meilleur. Wa hadhihi min al-asbab allati tudkhiluhu al-jannah. Parmi les choses qui lui permettent, bi'iznillah ta'ala, de rentrer au Jannah. Comme le témoigne un autre hadith dans le même sens, selon Abdullah ibn Amr, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, que celui qui aimerait se voir éloigné du feu et être entré au paradis, alors que la mort lui vienne, alors qu'il croit en Allah عز وجل au jour dernier et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Et ça, c'est un comportement de base qu'on va trouver chez tout le monde. عند المؤمنين وعند غيرهم. طيب. Cependant, nous, l'avantage qu'on en tire, c'est qu'on a l'irtiseb et on prend le ajr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela nous permet d'entrer au Jannah. Les autres, ça leur apporte une justice en ce bas monde. لكن يوم القيامة لا ينفعهم ما داموا على غير الإيمان. Les autres qui ne sont pas en islam, cela va leur apporter une certaine réforme dans leur vie, sans aucun doute, mais yom al-qiyama,
cela sera inutile pour eux, tant qu'ils n'auront pas eu la foi. Et ces gens-là, justement, eux-mêmes, ils ont une expression qui va dans ce sens-là, où ils disent « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. » Ça, c'est éviter un mal. « Ma'anna hadithana hadha fi ziyada » Notre hadith qu'on a, il y a un surplus, c'est de faire du bien aux autres. Éviter un mal, c'est une chose. Nous, c'est on évite un mal, et en plus, on rajoute du bien aux autres. Et principalement, aux croyants, notre frère. Et il y a une autre version du hadith qui est venue, qui est importante, qui dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi min al-khayr » Qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Comme bien. « Wa al-khayr wa ismu jami' lima fihi naf' lil'abd fi dunya wa al-akhirah » C'est un mot d'ensemble dans lequel on trouve tout ce qui profite à la personne en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc tout le monde veut le khayr. Mais ce khayr, à la base, il est décrété par Allah Azzawajal. Ce n'est pas toute chose qu'on considère comme étant un khayr qui en est forcément un. Et ce n'est pas toute chose qu'on voit comme étant un mal qui en est forcément un. « Wa asa an takarou shayan wa khayrun lakum » Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Et si jamais vous le détestez, Allah parle à propos des épouses, alors il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Allah il a mis un grand bien. Donc ce khayr à la base que l'on souhaite pour nos frères, c'est une chose qui est appuyée par la religion. Car combien de gens disent vouloir le khayr pour eux-mêmes et se font du mal? Et avec cela, ils le souhaitent pour les autres. Tu as des gens par exemple, ils aiment faire la fête. Ils disent c'est un bien de faire la fête, de sortir avec les amis, faire ceci, de faire cela. Donc, qu'est-ce qu'il te souhaite à toi? D'être avec lui. Est-ce que cela, c'est un khayr? Non, ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. C'est un char. Il y a des gens, ils aiment, ils sont attirés par le mal. Un, c'est même le khubs al-lazi fihim, ou il jal al-lazi fihim. Certains parce qu'ils sont de nature malsaine, et d'autres parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Ils pensent le mal comme étant un bien, et le bien comme étant un mal. Et malheureusement, comme on dit, ils engrainent les autres avec eux. Ils disent, c'est pour ton bien que je fais ça. Mais ce n'est pas bien que tu m'apportes en cela. Amal mu'min yuhib li akhihi khususan ma yuhibu li nafsi min al khayr. Le croyant, il aime pour son frère, en particulier, ce qu'il aime pour lui-même, comme bien. Wa fil haqiqa nuhib zalika lin nas jami'an. On aime cela pour tous les gens. On leur souhaite le bien. On leur souhaite la guider. On leur souhaite le jannah. Cependant, cela ne nous revient pas à nous. Et les gens, justement, comme on disait par rapport au bien ou au mal, qui sont ignorants ou qui sont mauvais, on les appelle au bien, et ils voient cela comme étant une guerre qu'on leur veut du mal. On les appelle à l'islam, ils s'imaginent qu'on leur veut du mal, qu'on va détruire leur vie, qu'on va les amener à la perdition. Alors que non, on leur veut le bien. Mais ils ne savent pas. Ou certains savent, mais ne veulent pas. Donc cela n'est pas à prendre en compte. فهذا الحديث هو مدار الإحسان فيما يكون بين الناس. Ce hadith est un pivot de la bienfaisance qui doit y avoir entre les gens. Comme on l'a dit, ce hadith en étant appliqué, l'injustice serait moindre, nettement moindre. D'accord ? وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل امثله في هذا الباب حين جاهد الشاب الذي كان يريد ان يزني. النبي صلى الله عليه وسلم a donné un très bon exemple à travers ce hadith de ce jeune qui lui avait demandé la permission de forniquer. De là les sahaba, ils ont été choqués. قالوا مهما النبي صلى الله عليه وسلم leur a dit
Khallo yatinu kallimu, dans le sens. Laissez-le, moi je vais lui parler. Faqala, hal tuhibbu hadha li ummik? Qala la. Il a dit, est-ce que tu aimerais cela pour ta mère fornique, qu'un homme fornique avec elle? Il a dit non. Hal tuhibbu hadha li ukhtik? Qala la. Il a dit, est-ce que tu aimerais cela pour ta sœur? Il a dit non. Hal tuhibbu hadha li khalatik ou amatik? Tu aimerais cela pour ta tante maternelle ou paternelle? Il a dit non. Donc il a dit, Nabi Salam, comme tu n'aimes pas pour les autres, tu peux le sauter pour toi-même. Et de là, ce jeune a compris. Et l'a délaissé. Donc là, ça montre bien que Masalan, Ada, celui qui voit ses proches et qui ne souhaite pas qu'ils subissent d'injustice, qu'il ne le fasse pas aux proches des autres. Ça revient à cela. Ce hadith en lui-même parle du zina, mais il est « Waah, siyadid den », ça peut aller bien plus loin que cela. Masalan, on voit des gens qui ont tendance à critiquer la charia islamia de l'islam, qui la juge comme étant arriérée, cruelle, injuste et autres. On leur dit cette charia est là justement pour préserver les biens des gens, la vie des gens, l'honneur des gens. Tout comme tu n'aimes pas que l'on te vole tes biens, alors cette charia est venue pour justement empêcher que les gens te volent tes biens. Tout comme tu n'aimerais pas que ton honneur soit sali et bafoué, cette charia est venue pour que les gens, justement, n'agissent pas de la sorte. Toutes ces lois que l'on connaît, ces sentences, sans regarder leur comment, elles sont là pour cela. Pour permettre que les gens puissent préserver ce qui leur est cher et les empêcher de nuire aux autres. Car l'irtida fi jami anwa'ihi, on va dire l'irtida, l'animosité, cela est interdit sous toutes ses formes. Comme encore le Ta'ala, ou la ta'tadou, inna Allah la yuhibbul murtadin. Et ne soyez pas outranciers ou injustes, car Allah n'aime pas cela. Et quand bien même quelqu'un viendrait te léser, il t'est permis de lui rendre. Lakin, tu lui rends comment? Bil misl, sans ziyada. Tu lui rends de la même façon, sans rajouter. Wa man irtada alaykum, fa'tadou alayhi bimithli ma irtada alaykum. Celui qui s'en prend à vous, alors prenez-vous-en à lui, tout comme il s'en est pris à vous. Sans rajouter. Ou in ukibtum, fa'akibou bisma ukibtum fi. Ou bi. Ou asbiru. Inna Allah ma sabirin. Et si jamais des gens s'en prennent à vous, alors rendez-leur l'appareil, sans rajouter. Et patientez, Allah est qu'il est patient. Donc ça mène à cela. Taïeb. Ce hadith en lui-même, il amène à la justice. Clairement. Quand les gens se comportent correctement eux-mêmes, ils n'ont peut-être même pas besoin qu'il y ait forcément de loi qui les menace ou autre. Cependant, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc il leur faut une autorité. Il leur faut une pression. Comme ils disent, tu n'as pas peur d'Allah Azawajel, alors tu auras peur des lois que les hommes vont appliquer. Mais au minimum, le adl, il sera établi. Il sera établi. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sana'a alaykum ma'rufan, fakafi'uhu, fa lam tajidu ma tukafi'unahu, fa'duhu Allah, hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu. Il a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que quelqu'un vous fait un bien, alors rendez-lui ce bien. Et si vous ne trouvez de quoi lui rendre ce bien, alors invoquez pour lui. Jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez rendu ce bien. Donc ça vient à ce hadith. Quelqu'un t'a fait un bien, tu lui rends. Et au minimum, tu invoques pour lui. Est-ce que la rétribution de la bienfaisance n'est qu'elle-même la bienfaisance? Tu es bienfaisant envers les gens, alors tu trouves cette bienfaisance. Et quand bien même tu serais bienfaisant envers des gens et tu ne trouverais pas en contrepartie de retour de leur part, ajrouka maktoub indallah azza wa jall. Tu n'as rien perdu. Ce que tu as fait comme bienfaisance, elle est écrite auprès d'Allah. Wa ma tuqaddimu linfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ce que vous avez fait comme bien pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah azza wa jall.
Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Ne pas te dire, si je suis bienfaisant vers un tel, s'il ne me le rend pas, je ne le ferai pas. Là, ça c'est un fucle anani, c'est égoïste. Lien Allah Azza wa Jal, qala in ahsantum, ahsantum l'anfusikum. Quand vous faites du bien, vous le faites pour vous-même en premier lieu. Quand vous faites du bien, quand tu aides quelqu'un, tu t'aides toi-même en premier. Inna Allah kana fi a'ouni al-'abd, ma kana al-'abd fi a'ouni akhihi. Que Allah est dans le soutien du serviteur, tant que le serviteur est dans le soutien de son frère. Donc ce que tu fais comme bien, à droite, si tu ne vois pas le résultat venir à droite, il viendra par la gauche peut-être. Ou par devant, par derrière, tu ne sais pas. Wa wa kadhalik al-zulm. Ya ayyuhan nas, innama ba'yakum 'ala anfusikum. Oh vous les gens, votre injustice n'est contre vous-même seulement. Quand vous faites un mal, vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Des gens souvent disent, il m'est arrivé telle chose alors que j'ai rien fait. Il m'est arrivé telle chose alors que j'ai rien fait. On dit, la'allaka qad zalamta ghayrak fima sabaq, wa an-natija ta'tik al-an. Il se peut que tu aies fait un mal à quelqu'un d'autre auparavant, et donc tu en subis les conséquences maintenant. Et comment ? Par quelqu'un d'autre qui viendra te léser. Comme tu as lésé autrui, un autre viendra et te lésera. Tu vas dire, c'est une injustice, il m'a lésé. Je ne lui ai rien fait. Non, lui. Mais un tel auparavant, et un tel auparavant. Comme quand la ta'ala, au cas d'aller qu'à nous wali bard vol mimi bard, bima kanu aksibun. C'est de cette façon-là que nous faisons dominer des injustes sur d'autres pour ce qu'ils ont accompli auparavant. Donc l'injustice, elle va être relative. Toi, tu ne la verras comme une injustice contre toi, mais en réalité, bil nazar al-wasi', ya 'adl. En réalité, quand on regarde bien, ce serait une justice d'Allah Azza wa Jal. Un exemple que vous voyez ces jours-ci, cet homme que je n'ai pas envie de citer, qui est en voie d'expulsion du pays, qui s'est sauvé d'ailleurs déjà, ce qu'il subit là actuellement de la part des autorités, c'est l'injustice. Naam, fi'lan. Ce qu'ils disent sur lui, ce n'est pas vrai. Mais cet homme-là, combien de zoum il a fait auparavant ? Combien de zoum il a fait sur les awliyés d'Allah Azza wa Jal ? Sur combien de savants il a parlé ? Sur la sunna dont il s'est moqué ? Sur les mustaqimines dont il s'est moqué également ? Donc aujourd'hui, comme il était injuste envers autrui, et parmi les gens qui, à la base, sont les plus en droit d'être rétribués par le bien, Allah Azza wa Jal, la'ala yabtali bi'ghayli. De cette façon, nous faisons dominer certains injustes sur d'autres pour le mal qu'ils ont accompli. Donc ce n'est pas toute injustice qu'on voit qui en est une. Ça peut être le fruit d'une injustice antérieure qui passe. Kazalik al-khayr, le khayr que tu vois maintenant, la'ala'u natija min khayr kol sabak mink sabikan. Un khayr que tu as fait à ton frère et tu envoies les résultats par la suite, par. Tu l'as fait par la droite, il vient par la gauche. Tu ne t'y attends pas. Et quoi qu'il en soit, même tu ne le vois pas, sache qu'il écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc rappelez-vous de ce hadith important qui est court et clair et qui est la base de toute la justice. Que l'on aime pour notre frère ce qu'on aime pour nous-mêmes comme bien et que cela fait partie de la perfection de la foi. Naam. Naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.